Bonjour à tous et à toutes. Destination Nogent-sur-Seine. On va aller faire le plein d'énergie au moins cher. Bah, c'est comme le pétrole, hein. Si on va, vous savez que en direction de Paris, vous avez une grande raffinerie. Je ne sais plus où c'est que se situe exactement. Où c'est que raffine le pétrole pour faire de l'essence, du gasoil et tout ça. Pour l'énergie, c'est pareil, il faut aller se brancher sur la centrale nucléaire. Tiens, on la voit qui fume là-bas au fin fond, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait une colonne de fumée qui rejoint les nuages, c'est bon comme tout. Voilà, on la voit, on la devine. Donc je vais faire le plein là-bas, c'est moins cher. Oui, parce que les bornes, on les trouve pas. En France, il n'y en a pas. Il y a les bornes type 2, oui, bah ça c'est bien, très bien. Pour ceux qui ont une Zoé, c'est excellent, mais pff, franchement, SCS Combo, c'est toujours à la traîne, hein, on se doute. Ça change pas, on est bien avancé en 2021 quand même. Et toujours rien en vue. Bah, faut aller directement sur RDF, à la centrale nucléaire. Ils ont bien une borne qui traîne là-dedans. C'est pas possible autrement, je comprendrais pas là. Il devait y avoir du 20 millions de volts qui sortent là-dedans pour recharger une Zoé en 1/1 de seconde. Et puis voilà, on repart. Bah, enfin bon, je plaisante. Mais... Donc là, j'arrive en direction de... pas loin de Romilly-sur-Seine, et ensuite Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine. J'espère que j'aurai le temps pour rentrer chez moi avant 18h. Ah, une Zoé. Bleu électrique. La température, toujours douce. Un ciel torturé, comme on dit. Donc déverrouillé à 90, tout ce genre de route qui était un coup 80, un coup 90, un coup 80, du grand n'importe quoi. Maintenant c'est 90 comme avant. Retour, retour à la case départ, quoi. Sous Oise. Bon, pour l'instant ça fonctionne. Je ne suis pas mécontent. En plus ils ont rectifié la vitesse à 90, c'est bien. Un mois pour rectifier la vitesse, c'est bien. C'est... Tom, c'est pour l'instant figé à 80, on fera une mise à jour pour mettre à 90, mais on ne sait pas si les mises à jour sont fiables. En fin de compte, on paye et puis on ne sait pas trop. Hein. C'est... Là-dessus, c'est pile aux faces. Hein. Si on paye une mise à jour et qu'on n'est pas sûr que ça passe à 90, ça la fout un peu mal quand même. C'est l'inconvénient de ces systèmes figés un peu. Il n'y a pas de mise à jour de TomTom qu'on achète le boîtier complet. Là, ça dépend de la voiture, ça dépend de Renault qui va passer par TomTom. Bah, c'est tout un micmac et en fin de compte, on est sûr de rien. C'est dommage. Sûr que la Zoé 50, elle lit les panneaux. Bon, à partir de là, salut. C'est mieux que. C'est plus fiable que le GPS. Il fera un mariage des deux. Pour bien faire. En fin de compte, je ne sais pas si je vais y aller. Le 85, c'est du bioéthanol. Ceux qui peuvent rouler le 85 sont avantagés. L'inconvénient du 85, c'est que les contrôles techniques sont un peu plus sévères et donc un peu plus chers. Alors, il faut voir ce que ça coûte, et puis voir le kilométrage qu'on fait, et puis est-ce que ça vaut le coup de... que ça coûte plus cher quand même. Est-ce qu'on rentre dans les clous? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'il faut bien réfléchir et bien calculer. Dans ce monde, maintenant, à multiple énergie, il faut bien faire la part des choses. Hein. Pour l'instant, le plus avantageux, je dirais que c'est électrique, du moins par sa fiabilité. Déjà, d'une, ça c'est important. Sa simplicité d'emploi, et puis... Alors ici, il y a des bornes, ça fait longtemps qu'elles existent, hein. C'est les premières bornes installées par Leclerc, le gérant de Leclerc. Et ça tombe toujours en panne. Si je branche ma Zoé sur ce genre de borne, ah, hybride rechargeable, oui, et là, une Peugeot, et ça fonctionne. Bon, c'est bien. Hybride rechargeable, une Peugeot qui recharge, bon, ça fonctionne. Mais moi, ça fonctionne pas. Sur ma Zoé, ça se met en défaut. Donc, les hybrides rechargeables, ça peut être intéressant. Tout dépend le temps qu'ils y restent. Hein. Il faut vraiment rester un temps. Oh!
Un petit chien. Enfin, un petit, vraiment petit. Hein. Ah, vous le mettez dans un poulailler, on ne voit plus derrière les poules. Il se cache. C'est marrant comme tout. Ça tient dans la poche. Un chien de poche. Voilà, donc déjà, c'est ce genre de borne pour moi. Ah, pour moi, pour d'autres aussi, mais rare. Hein. Rares sont les OE qui ont ce problème-là. C'est une histoire de sensibilité et de sécurité. Et bon, comme les OE sont très sécurisés à ce niveau-là aussi, ça pose problème. Bon, ben, je pars là. Hein. Bah oui, tout. C'est un grand centre commercial vers Romilly-sur-Seine qui draine pas mal de monde. Ah non, c'est pas là qu'il faut que je sorte trop long. Un tracteur ? Non. Si ? Ah, bien. Oh bah, il était démonté déjà. Il y a de la cheminée, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui brûle dans la cheminée. Hein. Bon, ça fait du bruit, j'ai l'impression que ça avance pas. Ouais. Oh, c'est ça qui est triste, ça fait du bruit et ça fait du vent, c'est tout. Bah, la pollution. C'est triste, je sais pas si vous avez entendu, c'est un beau bruit, on va dire, mais. C'est creux quoi. Il y en a qui vont critiquer, ça y est. Mais bon, enfin bon, quand vous voyez les performances de ce qui se passe maintenant en électrique et puis du thermique, bien désolé. Hein. Ah non, je suis pas désolé. Oh, ça construit là. Oh, c'est pas Noël. Ah, il se la joue à l'américaine maintenant. Hein. Waouh! Il manque plus que le chapeau. Hein, se critique pas. Ah, ça construit là aussi. Oh là, bah dis donc. Oh, qu'est-ce que ça sort de terre, ça pouf. Ouais, mais enfin bon, vu l'état du. Comment ça se passe? Bah alors, c'est un petit peu triste. Hein. Il n'y a que, en fin de compte, tout ce qui est alimentaire qui s'en sort, à part la restauration. On vous vend les légumes, mais vous ne pouvez pas les manger au restaurant. Ah voilà, faut les cuisiner, faut les manger chez vous. Vous allez ouvrir un restaurant chez vous parce que vous avez la nostalgie. Bon, je veux dire les bêtises, hein, ça change. Vous allez dire, bah tiens, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? T'as vu la carte? Bah, ça n'a pas l'air mauvais, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On prend celle-là, on prend l'autre? Oh, bon, on va prendre celle-là. Ça coûte combien? Bah 17,50€. Bon bah d'accord. Alors ils se payent le repas chez eux. Ils sortent 17,50€ qu'ils mettent dans la petite assiette, dans leur porte-monnaie, puis ils disent bah tiens voilà, on a mangé au restaurant chez nous. Ah c'est n'importe quoi, mais c'est vrai quoi. Il faut rester rodé, hein, sinon on va plus être habitué. Et puis il y a la femme qui donne la pièce. Tiens, voilà, c'est pour toi, pour le service, c'était gentil et tout, c'était bon. Et pour la femme de ménage et la vaisselle, ah bah c'est toi. Je t'offre une paire de gants Mappa. Je te les ai offerts pour Noël. Ah oui, c'est vrai. Et la machine à laver et la vaisselle. Bah, on verra ça l'année prochaine. Hein. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Bah voilà. Le plus grand mur de France. Celui-ci. La SNCF. Bah, derrière, il y a du monde. Hein. Il y a les trains, il y a du monde. Centre de réparation, remis sur scène. Voilà. L'affiche, maintenant, ça affiche un tas de trucs, dis donc, Aldi, trucs. Mais ils ciblent tout, hein. Ils voient où c'est que vous passez sur Google. Ils vous renvoient après la formation. Est-ce que vous étiez content chez machin? J'ai pas été chez machin. Est-ce que vous êtes content? Oh là, bah, dis donc. Est-ce que vous êtes content d'avoir été chez truc? Mais j'ai pas été chez truc! Mais oui, mais ils vous le demandent, ils vous renvoient ça en messagerie. Oh, c'est fou, ça. C'est atteinte à la vie privée, ça, c'est vrai, ils nous tracent. Même quand vous n'avez pas connecté sur la voiture, hein, ils vous tracent quand même. Même si, off, c'est fou. Bientôt, ils vous enverront des messages personnalisés. Ils sauront que vous avez acheté un paquet de lait, un pack de bière ou un chou-fleur à telle date, à tel moment, et puis ils vous enverront des promotions. Alors, mais rigolez pas, hein, ça va se passer, ça. Hein. De plus en plus. Hein.
ils vous, comment, ils voient vos visages. Hein. Ah ben, grâce au virus, on n'a plus de visage. Ou enfin, ils peuvent pas nous tracer avec ça. Oui, mais ils peuvent regarder les yeux. Bientôt, il faudra mettre des masques sur les yeux pour pas qu'ils nous reconnaissent. Bah, des lunettes de soleil, quoi. Même en pleine nuit. Oh là, le mur s'arrête ici. Ça fait un sacré truc. Hein. Bon, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Il y a qui remonte à un moment déjà. Oh là, j'ai activé le programmation du parcours. Ils ont amélioré pas mal le OAS quand même, c'est bien foutu. Pour l'instant, ça fonctionne bien, c'est en 4G. Il fait 11 degrés, 10 degrés, 11 degrés, c'est bien, c'est à peu près à quoi correspond. Bon, il y a un Lidl en plus. Ils savent que j'ai déjà été chez Lidl ici. Non, mais c'est dingue ça. Bon, bah, dis donc, c'est la route de retour. Oh, ça va être tendu, hein. Oh là 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 là. Il va falloir que. J'espère que Oise me fera prendre une autre route. C'est l'avantage de ce truc-là. Alors, c'est toujours la route de Nogent-sur-Seine. Citroën, grande concession. Et voilà. Et bien sûr, c'est passé à 90. Et oui. Tiens, il était pas ce rond-point là. Oh là, il est tout neuf. Oh là, ça change. Ah, puis il est pas assez indiqué sur ce rose. Ah ouais. Ah ben. Ça, sous TomTom, ça y est pas. Hein. C'est rouler à l'économie. L'avantage de l'électrique, c'est qu'on roule comme un thermique. On roule pas comme un hybride. En hybride, on est obligé de rouler comme ça, comme il roule la personne qui est devant. C'est la conduite pour vraiment faire des économies. Sinon, ça sert à rien d'acheter une hybride. Si vous roulez comme un thermique classique, vous n'allez pas faire d'économie. Pas à dire, ça justifiera pas la différence de prix. Qui est plus cher qu'un thermique classique. Je vois pas l'intérêt. Ça n'a qu'un intérêt, ça n'a pas de sens. Oh, ici, c'est pas trop inondé encore. Hein. Oh, non. On voit bien la fumée hein, qui sort de la vapeur qui sort de la centrale. Tant que ça fume, c'est bon signe. Radar de chantier. Ah, ils l'ont sorti celui-là. Indiqué par le OAS, mais pas la bonne place, mais enfin indiqué quand même. Bon. Par contre, il ne met plus d'alarme. Ça ne me l'a pas indiqué sur l'écran. Alors ici, à gauche, il y a toujours la borne qui fonctionne bien. Voilà.
Niro. Niro électrique se reconnaît très bien. Là, c'est sa signature lumineuse qui est réussie, je trouve. Et des voitures que c'est un petit peu... Bon, c'est une histoire de goût, hein. Ça devient un petit peu une surenchère au niveau éclairage. Et non, c'est vraiment pas job, hein. Ça fait des grandes barres, des grandes moustaches. Bon, ça fait un petit peu fête foraine. C'est, bon, ça fait un peu trop chargé, je trouve. C'est pas fin. C'est pas discret, c'est pas... Autant être visible, mais être bon. Mais bon, après, c'est pas c'est chacun qui voit, hein. Il y en a qui aiment. Moi, je pourrais dire je vais dire une bêtise, mais je pourrais dire avant la signature, je voudrais voir la signature aussi, la signature lumineuse, s'il vous plaît. Oui, je vais mettre en route, ça vous plaît? Ouf, non. Eh bien, il faudra avoir le choix, un petit peu, la signature lumineuse. Alors ici, c'est Toyota, une grande concession. Avoir le choix dans différents types d'affichage, pourquoi pas. Les constructeurs feraient bien de s'y pencher un petit peu, parce qu'ils prennent ça un petit peu pour l'aspect esthétique, plus que sécuritaire. Ils font les deux maintenant. Du moment que ça ne devient pas aveuglant, leur truc, ça va bien. Et puis dire, bon, bah, en effet, vous avez le choix, vous pouvez sélectionner différents modes depuis la voiture, de ce qui vous convient, tout en respectant la législation routière. Voilà. Pourquoi pas? Alors je suis en mode économique, pas en mode économique, en mode normal. Hein. Et c'est toujours affiché vert, donc je roule toujours économe. 90. C'est toujours une facilité déconcertante. Il n'y a pas besoin d'une grande puissance en électrique. C'est pas la qualité première de l'électrique, la puissance. C'est extrêmement puissant, mais c'est surtout très réactif. Il n'y a pas de temps mort. Et ça, c'est très important sur la route. Voilà, ça fume, on dirait que c'est la fumée de la vapeur de la centrale qui fait le gros nuage noir. Non, du tout. C'est pas collé après, hein. Non. Oh, incroyable, la fumée qui sort de là-dedans, c'est vrai, ça, c'est impressionnant. Sur la caméra, ça se verra peut-être pas trop. Mais si vous voulez cuire du riz à la vapeur, bah, vous prenez l'ascenseur, vous montez en haut de la tour, vous tendez le bras, et puis vous n'avez plus de bras, et le riz, il est cuit, lui. Donc c'est toi, pas toi? Ah oui, d'accord. Bon, j'en suis pas loin, hein. Bon, l'autonomie est très bonne parce que bah, 10 degrés, c'est bon. Ça décroche presque les 300 km, 280 autour de Suzuka, 270 sur la Zoé 40. Ce que je veux dire, c'est une Zoé 40, hein, puisque c'est une batterie de 41 kW. Ah, ils n'ont pas passé à 110 ici, ils sont restés bloqués à 90. Tiens, ça m'étonne. Bon, c'est un peu nul. C'est une 4 voies. Ah, j'ai rien dit. Mauvaise langue. 110. Et voilà la centrale. Et là, dis donc, s'il n'y a pas des bornes de recharge, ça rien y comprendre dans ce genre de truc. Parce que c'est l'endroit idéal. Ah, elle va pas disjoncter la centrale si se branche une Zoé dessus. Ah non, quand même pas, faut pas exagérer. À ce coup, pouf, le réacteur, game over. Ah, au secours, vite évacué sur 300 km à la ronde. Il y a une Zoé qui s'en charge, ça a disjoncté la centrale. Oh, c'est pas vrai, encore une. Oh, puis c'est le même gars avec sa Zoé. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait comme problème celui-là? Non, du tout. Mais là, il pourrait mettre une station de recharge. Ah oui.
Ah, c'est bruyant là, contre le vent, avec l'état de la route qui est déplorable. Dire qu'il y a du passage ici. Hein. Puis avec toute l'eau qui tombe, ça range pas les routes. Ah, c'est pas beau quand même. Hein. Non. C'est pas beau et c'est moche. Alors, ça ne range rien. Tous les habitants ont des pastilles d'iode autour là pour au cas de fuite les particules radioactives se fichent dans la glande thyroïde. Bon, après une fois que c'est dans la glande thyroïde, c'est foutu. Ouais, multiples cancers. Ah, c'est pas le Covid-19 là. Ah, du tout. Non, c'est plutonium 388 380 770 142. Ah, mais il y a de tout. Et après, vous avez l'uranium. Alors, vous ne pouvez pas nacher. Hein. Vous pouvez prendre un petit peu. C'est comme au bar. Hein. Vous dites, vous panachez un peu de ça. Bah voilà, vous allez là, vers la centrale, vous avez un panachage. Vous voulez un petit peu plus de plutonium, ça donnera un petit peu plus de piquant. Ah bah, je veux bien, ouais. Et pour avoir la langue bleue. Ah, un petit peu d'uranium 396. Ah, d'accord, j'en veux bien un petit peu. Ils mettent ça dans le shaker, la grosse tour, là. Et puis, ils vous servent ça directement dans la gorge. Pouf. Et voilà. Demain, vous n'avez plus de dents, plus de cheveux. Oh, une dent qui tombe. Non. Dents de lait. Non. L'uranium. Ah, pas la même chose. Non. Oh, putain. Là, c'est pas une souris qui passe, hein. C'est sûr. Hein. Puis vous avez un restaurant à côté. Fait les tonneaux. Là. Nageant sur scène. Si je vais là, la voiture va se recharger par induction, tellement c'est puissant. Ah ouais, Azoué, elle va se recharger toute seule. Moi, je vais devenir tout rouge, tout violet, tout jaune. Je vais être complètement disjoncté, ouf, c'est pas grave, mais la voiture elle va être rechargée. Hein. Ok Google. Pff, il marche pas. Ça va marcher chez vous, hein, c'est sûr. Hein. Alors, chez moi, ça marche pas. Hein. Rien à faire, j'ai beau lui dire. Pff, encore un rond-point tout neuf. Oh. Bon, ça va, c'est pas trop mal parce qu'on prend pas trop à faire de manœuvre. Il ne marche arrière ni rien. C'est bien. Ah. Oh, le carburant, comment qu'il a monté. Oh. Pourtant, c'est Carrefour. Hein. Bah, ça vaut coup de passer en électrique. Hein. Bah, c'est certain. Il hein. Y a des gars qui achètent des personnes qui achètent des hybrides rechargeables, mais voir le prix qu'ils les payent, pour quelle économie. Oh ouais, attention, hein. C'est nouveau ça, ces trucs de la pizza 24h sur 24, je vois partout. Je sais pas si c'est bon là-dedans. Il y a un petit robot qui fait la pizza devant vous. Hein. Les pizzas aux anchois, et je vous sers ça avec des épinards. Ah, c'est pas vraiment ce que vous avez commandé. Mais bon, l'erreur est pas humaine, hein. Pour aller à la centrale nucléaire, il faut suivre les traces fluorescentes par terre. Bon, j'en vois pas de traces fluorescentes par terre. Phosphorescentes, plutôt. Les gens qui ont plus de cheveux. Bah, je vois des gens avec des cheveux. Bon, je comprends pas. Et les gens qui ont plus de dents. Ah bah oui, mais enfin, ceux qui ont pas de dents, comment qu'on peut savoir? S'ils rigolent pas, on s'en rend pas. Hein. Puis avec les masques, on voit rien maintenant. Bon, puis il faut que je programme la route de retour, sinon je vais être mal, là. On se va. 17h49. Oh là, c'est foutu, faut que je fasse demi-tour. Oh, ah, je peux pas aller jusqu'à Nogent, dis donc. Ah là là, avec leur truc, là, confinement. Hein. Ah zut. Oh, ça va, il y a un rond-point.
Ouais. Je peux même pas aller recharger la voiture à la centrale. Et l'induction, elle marche pas jusque-là. Oh tiens, le météo, la prévision météo, il pleut. Oh, il pleut pas. Oh là là, Pierre Romilly, c'est bouché. Oh. Ah, c'est beau, hein. La fête à Agathe. Ah, c'est la fête à Agathe. Bonjour les Agathe. Bonne fête. Bah oui, il faut penser à tout le monde. Allez. Bah pour une fois. Oh, is. Yes. De rien. Voilà. Oh, c'est pollué par le vent. Pour l'instant, j'ai vu tout le monde avec des dents. Hein, et ils ont des cheveux. Oh. J'étais pas vraiment sur la bonne direction, je crois pas. Faudra que je demande. Mais les gens, ils perdent la langue. Oh, bah alors, ça va être dur compliqué pour comprendre ce qu'ils disent après. Par écrit, bah, ils perdent les mains. Oh, là, 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 là. Oh, comment faire pour communiquer ici? Par la pensée. Non, ils ont les cerveaux plein de trous. Oh, comme la vache folle. Oh, bah dis donc. Oh bah non, pardonnez-moi les nojantais, hein, les gens sur le truc là, mais bon, pff, moi je sais plus à force, hein. On lit tellement de choses à la télévision qu'on sait plus, hein. Entre le Covid-19 et les radiations, on sait plus. Vous êtes irradié, covidé. Oh, oh bah dis donc, avec ça, dis donc, tu parles à menu, covidé, irradié, covidé. Deux fois. Et irradié trois fois. Ah, aller-retour. Ça n'a pas changé le prix du carburant, ça c'est sûr. Lui n'est pas irradié, lui. Pizza. Ah bah les pizzas, elles sont irradiées maintenant. Pizza épinard ou jambon avec du viandox. Ah ben n'importe quoi, c'est mon coup de bambou là, c'est les radiations. Toujours 17h50. Et puis lui, attention, hein. Lui c'est il est à 90 maintenant, il dit la bonne heure. Et j'espère que. Oh là là, la traversée de Romilly sur Seine. Waouh. Hein? C'est à cause de ça que si je tousse. Le Covid. Covid irradié, il est là. Qu'est-ce qu'il me fait prendre là? Là? Ah bah oui. Donc est-ce que je connais bien mon... ma géographie, moi. Si vous cherchez un chauffeur de taxi économique, et que vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de problème. Hein. Je fais taxi, VLC, Uber, transport de marchandises, pas d'animaux. Voilà. Il faut que je mette un petit appareil pour les pièces. C'est une petite boîte en osier avec une fente dedans. On peut mettre un cochon aussi, mais enfin, les cochons, ils cossent. Alors ça, c'est pas bon. Qui me fait prendre cette route là, lui? C'est pas la route habituelle, ça? Oh! Ah, bah, je découvre là, tiens. Bah, il me fait éviter tout Romilly, ça se trouve. Papette! Ah, ouais, c'est ça qui est bien avec Oise. Faut que je mette le son. Ah, bah là. Je n'ai rien entendu. T'as vu, hein ? Ouais, vous m'excuserez pour pardonnez-moi pour les vidéos que je fais. Hein. Ce sont des vidéos amateurs, pas du tout éclairées. Et bah, ça se prend comme ça. Et puis c'est tout. À la bonne franquette. Hein. Ça vous intéresse. Vous dormez, il n'y a pas de problème. Ça vous fera pas mal à la tête. Hein. Ça s'appelle un somnifère. Voilà. C'est fait pour dormir, ce genre de vidéo. Je vérifie si je filme. Parce que je commence à être un peu roulé. Saint-Aubin!
je vais même plus aller à la centrale nucléaire. C'est vrai, je me répète, mais c'est vrai, c'est embêtant ça. Oh, quand même. Ah oui. On n'a plus le droit de se faire irradier maintenant. Bon, bah tant pis. Hein. J'ai pensé que j'en trouvais une autre, une centrale maintenant. Elles sont loin. Hein. Il faudrait qu'ils les rapprochent un peu plus. C'est aussi beau de jour que nuit, Oise. C'est une réussite au niveau graphique. C'est bien, bien foutu. Familière du tout, c'est pas du tout la route du retour habituelle. Bah, je lui fais confiance, hein, de toute façon. Si j'avais pris par Romilly, je crois que j'aurais les 18 heures étaient foutues et ça aurait été vraiment dommage. Parce que à 18 heures, c'est la voiture qui s'arrête toute seule. Hein. Elle est programmée pour ça, le couvre-feu, boum, la voiture, faut finir à pied, la voiture s'arrête. Mais ici, c'est combien en définitive? C'est 80 ou 90? C'est écrit tout petit, hein, le chiffre sur Oise. Il faut vraiment avoir une bonne vue. C'est microscopique, la limitation de vitesse. Si je ralentis... Non, bah, apparemment, c'est 80. C'est pas 90. Voilà, ça manque, ça. Même s'il y avait la Zoé 50, n'aurait pas compris. Elle m'aurait affiché 90. Qu'un développement qui se base sous le GPS et qui permet justement de savoir exactement la vitesse où on en est, parce que vraiment on est perturbationné avec tout ça. Voilà, ici c'est toujours les églises, hein, qu'on repère en premier, c'est très bien. Château, oui, non, centre hospitalier de Troyes, puisqu'il y a un hôpital. Ah, c'est pas une maison de retraite? Hein, ça pourrait. Voilà la belle église. Ici. Ah, une affiche, voilà, là, une affiche en gros, 50, boum. Mais il ne l'affiche pas en gros tout le temps. Ah, pourquoi? Tiens, encore une toile de tente. C'est la même chose que... Ah, ils raccordent ici tout ce qu'ils avaient tiré là-bas, l'autre côté, à 5 km d'ici. Précision, toujours 17h50. Bon, il y a le kilomètre qu'il y en a à faire. Hein. Autonomie, impeccable. Je ne me tracasse pas du tout sur l'autonomie, je me tracasse plutôt sur le temps. Voilà. Paquet de points jaune orange là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, le distributeur de jetons? La fosse. Oh. Oh bon ça.
c'est les enfants qui regardent cette vidéo. Des fois qu'un enfant, il est bloqué, il a deux jambes dans le plot, pauvre gamin. Et ses parents, ils mettent devant une de mes vidéos, en punition, bien entendu. Hein. Et l'enfant, c'est pas grave, il regarde, avec son petit esprit d'enfant, il va dire « Ah, le monsieur, il roule pas vite, hein, son le camion, il roule plus vite que lui, et voilà, honte, hein. Oh, ouais, oh. Gentil gamin. Hop, c'est moi le prioritaire. C'est moi le prioritaire. C'est moi le prioritaire. Ah bon. Bon, une fois, j'avais pas fait attention qu'il y avait des panneaux comme ça. Vous êtes prioritaire ou pas? Flèche blanche, vous passez. Flèche rouge, vous passez pas. Vous êtes pas prioritaire. Puis je m'étais arrêté à la flèche blanche. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Oh! Je me suis fait incendier par ceux qui étaient derrière. Oh là 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 là, oh là là, le travail! Tous les noms! Ah, oh, même les corbeaux, ils y ont passé, dis donc. Oh là, le travail! Ah, oh, c'est passé sous journal, même. Oh, oh là là, oh la tolérance. Oh, quelqu'un qui s'arrête là, et la flèche blanche. Bah, c'est tout, le gars, il a un petit coup de klaxon, et puis hop, il passe. Mais il y en a, ils sont en colère, hein, ils sont hargneux, dis donc. Ouais. Ils sont méchants, hein. Ah, ils vous boufferaient, hein. Puis après, tu redirais, mais regarde ce que t'es en train de faire. Le pauvre gars, il s'arrête là. Tu hurles comme un. Tu te regardes là un petit peu ce que tu fais. Oh, je sais pas, j'ai pas compris, je suis énervé. Mais enfin bon, à ce point-là, oh, tu pètes un plomb, c'est pas lui qui est malade, c'est toi. Hein. Ben voilà, ça se passe comme ça. Oh bah les anecdotes, il y en a plein à raconter. Oh, ça fume, tu vois quoi. La fosse, non, Saint-Martin de Bosnay. Oh bah disons, par où qu'il me fait passer. Il est sûr qu'il m'a... Il me ramène vraiment chez moi, là. Ouh. Ouh. Oh là là, j'ai bien programmé, lui. Oh, j'ai un doute. 3, bah oui. Ah oui, je vois ce qui fait passer, ça y est, j'ai compris. Oh ben, en fin de compte, il m'a fait éviter tous les bouchons de la route de retour. Ah voilà, ça c'est... C'est une grande cuve qui se vide dans l'autre cuve. Et après, qui va dans un bac. Pourquoi faire? Eh ben parce que c'est pour faire couler quelque chose. J'essaye de comprendre, hein. Pas toujours évident. La route principale se trouve à gauche, à ma gauche, voilà. L'axe national 19. À droite, c'est Lyon. Sens, Auxerre, un peu plus loin. À gauche, bien, c'est Saint-Dizier, direction Nancy, voilà. En face, Marseille, la Corse. Ah, bonjour les Corses. Eh oui. Là, il n'y a pas trop de réseau, et pourtant, bah, c'est en 4G quand même, dans les creux et les bosses, bah, ça tient. Hein. Ils ont amélioré Oise ou quoi, là. Parce qu'avant, ça tenait pas, c'était... Ah, j'ai pas besoin de freiner, hein. Ça recharge, hein. Ça descend en plus. Qu'est-ce qu'il est fiable au niveau régulation de vitesse? Impeccable. Il indique bien la bonne vitesse. C'est meilleur Google.
des routes idéales en électrique et en hybride. Parce que les hybrides, ça recharge ici, sur ces routes-là. Si vous maintenez une vitesse constante, l'hybride se recharge sur le moteur thermique. Donc ça consomme du carburant. Mais si vous roulez sur ce genre de route qui a des montées et des descentes, l'hybride recharge sa petite batterie sur la régénération en descente, comme une électrique. Oh, je roule un peu vite là. Châtel, voilà, bon voilà, c'est pas de soucis, je connais. Une traversée délicate d'ailleurs de Marigny-Châtel, il y a une espèce de carrefour. C'est pas terrible. Sauf que c'est pas large. À l'époque, il n'y avait pas de camion, hein. Il y avait des chariotes avec des chevaux. Ils peuvent pas déplacer l'église pour élargir la route, hein, ça c'est sûr. Hop là. 10 degrés qu'elle indique, impeccable, c'est bien ça. Voilà. Alors ici, il y a pas de... je crois qu'il y a une borne, mais je ne suis pas sûr. Il indique pas les bornes voisines. Ah, ça manque. Borne aussi. Hein. Si, il y en a une. Une borne. Oh, zut. Tournez à gauche. Puis tournez à droite sur le facteur. Et il y avait un. Ah voilà, c'est dangereux là. Là. Il y a des camions qui passent, qui arrivent. Tournez à droite sur le facteur. C'est très délicat comme passage. Et bon, il y avait une borne, une prise sur deux en panne. Hein. C'est ça le problème qui se pose, qui a été relevé par Automobile Propre. Automobile Propre, ça a été remonté à leur niveau pour la formation à tout le monde. Hein. Le problème, les soucis de la fiabilité des bornes et surtout de l'entretien des bornes. Ah bah là, c'est une catastrophe. Hein. Une catastrophe totale. Hein. On est sûr de rien. Hein. C'est pour ça, quand vous faites un parcours, je répète et je redis, programmer plusieurs bornes de secours, hein, un plan A, un plan B, un plan C. Si le A fonctionne, très bien, et si ça ne fonctionne pas, qu'une borne est en panne, faut pas hésiter à faire quelques kilomètres de plus pour prévoir une autre borne, pour pouvoir repartir, continuer le trajet aller loin. C'est l'inconvénient, pour l'instant, on en est encore à ce stade-là. Hein. Ça n'en démord pas, hein, Saint-Flavie. Royaume des pommes de terre ici. Ah, les patates. C'est une terre à patates. Très bonne pomme de terre. Ils font des chips, ils font des frites. Ouais, je sais qu'il y a des Belges qui regardent, ils vont dire de quoi il parle, lui, des frites. À Saint-Flavie. Il n'y a qu'à venir en Belgique manger des frites. Ben, je connais les frites belges. Oh, ça régale. Vous avez une manière de faire les frites, c'est pas comme à la française. Hein. Vous secouez souvent le panier. Hein. Et comme l'orangina, quoi. Et ça fait que les frites sont bien remuées, bien. Il y a de la graisse. Vous mettez de la graisse dans l'huile. Ça les rend bien meilleures. Je connais hein, quand même. Moule frites, oh, bon, la bière, oh. Toujours 17h50, malgré la traversée de commune. Incroyable. On dirait qu'il bloque le temps. Et j'ai rattrapé le camion. Hé, gamin, réveille-toi. Je suis en train de rattraper le camion. Il est pas bien lui, hein. Papa, change de chaîne. C'est pas une chaîne, fiston, t'es puni. Tu dois regarder la vidéo jusqu'au bout. Oh, bah, le gamin, il pleure. Hein. Oh, bah, là, dis donc.
Arrête de pleurer, sinon on t'emmène deuxième, une vidéo. Oh bah il pleure plus là, ça y est, il est calmé. Ah bah voilà, c'est comme ça. Ah bah moi je prends soin des enfants, hein, je les fais dormir avec mes vidéos, il n'y a pas de problème. Ah bah voilà. Voilà, voilà, terre à patate, à perte de vue. Un coup des patates, un coup du blé, un coup d'autre chose. Voilà, de chaque côté. C'est une terre à sapins ici. Il n'y avait que des forêts de sapins. Et juste après-guerre, ils ont tout rasé pour faire des cultures, hein, parce qu'il y avait besoin d'alimentation pour la population. Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit maintenant, c'est qu'il y a une pénurie de denrées alimentaires. Hein. Ça produit juste. Il y a des régions de France touchées par la sécheresse. Et la culture est catastrophique. Faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'il y a tombé de l'eau là que... L'année dernière, c'est pareil, hein, ça avait fait la même chose. Hein. Je me rappelle les inondations, vous pouvez regarder sur mes vidéos. Et pourtant, on s'est bien payé une sacrée sécheresse, des températures excessives, une terre craquelée par la sécheresse. Bah oui, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. Hein. Voilà, maintenant... Trop de CO2. Le revêtement est gravillonné, enfin est râpeux, c'est bruyant. Hein. Dans la Zoé 50, c'est sûrement beaucoup plus silencieux. Ils ont insonorisé les bas de portière, les passages de roues. Ils ont mis de la laine de verre. Et du polystyrène de bâtiment. Ouais, non, je plaisante, ils sont formidables. C'est pas de la laine de verre. Ils ont mis du béton. Hein? Béton cellulaire, pour que ça pèse moins lourd. Mais non, ils ont mis un insonorisant automobile, et puis voilà. Il est 3, d'ailleurs, elle a particularité d'être très très silencieuse, parce que c'est déjà une électrique, mais en plus très silencieuse en roulant, et les bruits de vent, tout ça, c'est très bien sonorisé. Ouais, chez Volkswagen, ils ont fait fort. Ah, mais attention, hein, on a critiqué, bon, j'ai mis en avant le problème qu'ils avaient sur leur voiture, puis maintenant c'est résolu, et elle se vend très bien, très très bien. Bah c'est le prix de la catégorie des électriques. Hein. Bon, je vais mettre un petit coup de frein parce que l'autre derrière il est un petit peu proche. Ichmin. Donc ça veut dire que maintenant, si vous achetez une ID3 électrique, elle est moins chère que l'essence. Oui, chez Volkswagen. Vous prenez le même modèle, une Golf Essence, et vous prenez une ID3, la Golf Essence est plus chère. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors ça vaut le coup d'acheter une électrique, c'est certain. En plus, le carburant, bah, c'est chez vous. Encore mieux. Bon, je sais pas combien de temps que ça va durer la vidéo. Le temps normal, hein, c'est le... Oui, ça... Je vois le haut du camion, je rattrape. Ah, je respecte la vitesse. Hein. 80, c'est 80. À 84 pour la voiture. Voilà, toujours une terre un peu caillouteuse, crayeuse. Ce qui donne un bon goût à la pomme de terre. Les pommes de terre d'ici sont plus lourdes. Voilà, chargées de craie. Il faut la friteuse, il faut de temps en temps mettre mélanger avec du vinaigre pour enlever le calcaire. Voilà. Qui vient de la pomme de terre. Ah, ça y est. Covid.
Covid nucléarisé. Plutoniumisé. Oh, la belle buse. Oh, qu'elle est belle. Alors, les sapins. Ah, 17h51. Oh. Les éoliennes. Ça recharge, boum. Ah, la première cause de pollution maintenant, c'est les masques bleus. Les masques schtroumpf. Hmm. Et tout le monde qui en a un, tout le monde le jette. Ah bah dis donc. Covid. Là les masques il y en a partout. Hein. Ah dis donc, c'est porcherie maintenant avec ça. Hein. Prenez les pieds dedans, boum, avec l'élastique. Un chien il mange ça. Ah bah il étrangle hein, le chien, il s'étouffe. Ça, ce système là, ça fait ralentir en fin de compte et ça scanne pas les voitures, ça permet de libérer des places de parking, c'est pas bête. Bien, la commune de Pavillon Sainte-Julie. Julie! Et les éoliennes? On peut constater que de toute façon, avec une voiture électrique, on n'a pas besoin de surcharger sur une borne. Je viens de faire un grand parcours, là, j'ai pas fini, hein. Il faut que je rentre chez moi. Il y a encore 40 km. Mais. Pff, on n'a pas besoin de surcharger à dire. Il ne faut pas penser à tout va, aux bornes. C'est le jour que vous aurez besoin de dépasser votre autonomie, vous ferez en sorte de trouver les bornes, il n'y a pas de problème. Et si c'est une Zoé 50, vous pouvez compter sur les bornes 22 kW pour vous recharger assez rapidement. Soit avec les autres voitures, ça sera plus compliqué, ça va être plus long surtout. C'est ça le problème. Il faut absolument les 16 combos. Donc c'est bien noir par là. Mmh. Au fond c'est Troyes, la ville de Troyes. Il y a, je sais pas si vous avez vu. Mais je vous le dis, si vous ne le savez pas, chez Tesla, ils proposent des bornes à domicile. C'est quoi ce genre de bornes? Ce sont des stations de recharge, accumulateurs de recharge, 17 kW. Oui, des grosses batteries à domicile qui se rechargent par panneau solaire, par le courant domestique, peu importe. L'idéal, ce serait pas par le panneau solaire. Ça accumule quand même 17 000 watts, hein. Ça vous permet d'avoir une énergie en cas de coupure d'énergie, justement, en cas de problème.
le réseau qui est en panne ou pour avoir un courant toujours propre chez vous, eh ben ils le fournissent chez Tesla. Et on peut en mettre jusqu'à 10, 170 000 watts. Waouh ! Là, vous avez une autonomie qui va loin, loin, loin. Si vous alimentez que l'éclairage, une plaque de cuisson et deux radiateurs électriques, oh bah c'est suffisant. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est très bien, ça, ce qu'ils font. Et franchement, c'est esthétique. Non seulement ça se met dehors, mais on peut le mettre à l'intérieur. Aucun bruit. Voilà. Ça remplace un groupe électrogène. Pour le prix, bah pour l'instant, ça ne va pas être donné quand même. Mais bon, faut voir. Hein. C'est l'avenir aussi, ça. Ça chute trop avec le prix des batteries, de toute façon. Et les voitures électriques auront leur batterie changée, par exemple. Ça pourra servir pour l'accumulation dans ce genre de système. C'est pas perdu. Eh oui. Voilà, j'ai des boules. J'arrive sur l'air, la départementale 619. Et le camion, il est loin devant moi. Eh, gamin, t'es content? Oui, il est content. Du coup, il regarde la vidéo maintenant. Il va regarder si j'ai rattrapé le camion après. Bah oui, je vais rattraper, attends. Je roule vite, hein. Je mets mon clignotant à droite. Oh, le bleu. Oh, l'autre, la honte. Oh, l'autre. Oh, le pépère. Bah oui, hein. Moi, c'est prendre des bouteilles, hein. 92. 90. Oh, c'est fermé ça. Oh. Oh bon. Alors, je répète 90. Hein. De toute façon, c'est. Ça sent toujours comme ça. Mongueux à droite. La grande entreprise qui fabrique des panneaux de chanvre. Voilà, isolant. Heure d'arrivée, 17h51. Bonjour monsieur, bienvenue sur RJR. Oui, bonjour. Bah, je fais le test de l'air. Voilà, après ce long parcours, ce long voyage en voiture électrique, souhaiteriez-vous une boisson désaltérante? Ah, ouais, 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 moi je veux bien. Qui c'est qui conduit? Bah, le pilote. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, bah, qu'est-ce que vous avez comme boisson? On a le punch Covid-19, si vous voulez. On l'appelle comme ça parce que, comme tout le monde est au courant, on en parle, on fait un mélange comme ça. C'est vraiment une boisson ou c'est... Oui, c'est une boisson, oui. Ça pique un petit peu. Ah, non, je connais pas. Bon, bah, si vous voulez en boire un petit peu... Voilà. Et vous voulez prendre avec quoi? Quelque chose de consistant avec votre boisson énergisante? Oui? Vous auriez du croton? Hein? Un croton? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah dans chez RJR on n'a pas de croton. Vous n'avez pas de croton chez RJR? Ah bah c'est pourtant drôlement bon ça le croton. C'est une pâte feuilletée. Avec des lardons dedans. C'est ce que... Et vous faites cuire ça comme du pain au four. Et ça s'appelle un crouton. Vous en voulez un jeune ou un vieux? Bah, un jeune de préférence, hein. Un jeune crouton, oui. Oh, Tsui. Oh. Tenant. Oh, double. Ah, tout à fait. Oh, c'est un corbillard. Oh, mince. Ah, non, non. Alors on voit que tout le monde rentre, hein. 6h10, waouh, ça y va, hein. Oh dis donc, ouais, oh, chérie, chérie, vite, 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 on fait la course, il faut vite rentrer avant 18h, sinon les barrières vont se fermer. Oh.
dépêche-toi, dépêche-toi. Au secours, je vais rentrer chez moi. Sinon, je vais me faire disputer. Il faudrait demander si par exemple, je sais pas, on tombe en panne d'énergie. Si on tombe en panne d'énergie, qu'on recharge par exemple sur une borne et qu'on ne peut pas faire autrement que de dépasser le temps. Le temps n'est pas élastique, hein. Ah, c'est pas marqué sur le. La feuille qui a coché là. Je suis en train de recharger ma voiture électrique. Pardonnez-moi, excusez-moi de vous demander pardon, mais je peux pas faire autrement pour rentrer chez moi. Ah ! Et vous avez coché la case, je recharge une voiture électrique ? Bah elle est où la case ? Oh, ils ont promis la case. Bah voilà, on est. Bah avec toutes les voitures électriques qu'il y a maintenant, ça peut arriver à tout le monde, hein ? Hein ? Oh le monde ! Oh ! Ah ouais, dis donc, oh là là, c'est l'heure, hein. C'est la sortie du bureau? Non, c'est la rentrée chez soi avant 18h. C'est nouveau, ça. Ouais, travail. Ah, je suis comme les autres, hein, de toute façon. Hein. Je suis logé à la même enseigne. Ah, ils ont amélioré, sortie 4 Saint-Dizier. Ah, ça c'est bien. Tout est indiqué maintenant. Radar est là. Bonjour, monsieur le radar. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça a-t-il bien fonctionné la recette? C'est pas terrible, hein, surtout après 18h. Oh, dis donc, je suis obligé de faire la manche. Hein. Oh, un radar qui fait la manche. Non, j'ai jamais vu ça. Oh, vraiment, je n'avais plus d'époque maintenant. Il n'y a pas que le climat qui marche pas bien. Bon, étonnante l'autonomie, parce que je ne sais pas combien de kilomètres que j'aurais fait, mais... Non, les températures sont pas élevées quand même. Là, c'est vraiment... Ce qu'il faut faire absolument ici, c'est prendre à droite pour faire le rond, pour prendre le rond-point. Sinon, c'est foutu. Il y a tellement de monde là que tout le monde fait pareil. On prend tous le rond-point, voilà, pour faire demi-tour, pour reprendre dans l'autre sens. Sinon, on peut pas sortir. C'est très difficile. Tellement ça roule. Et pourtant, le camion a réussi à passer, mais pas l'autre derrière. Ah, s'il passe quand même. Il force. Bon, comme ça, il y a moins de risques. Alors, ceux qui ont une Zoé 50 avec un moteur 135 chevaux, ils doivent se faire plaisir. Hein. Je pense à Zoé, parce que bon, c'est vrai que j'ai une Zoé, hein, c'est pour ça. J'aurai une autre voiture, je parlerai d'une autre voiture. 15 minutes, pas trop bavard, hein, ça va, dis donc. Je trouve qu'ils sont vraiment améliorés, Oise. Il est plutôt prédisposé pour l'agglomération, mais maintenant, c'est plutôt devenu routier. Ah oui, ils ont drainé large. Ah, ici, ce sont les Tesla. Voilà. Ben, on pêche les petites voiturettes, faut voir un peu comment c'est équipé maintenant, dedans. Ah, ça vaut cher, ben oui, mais enfin, bon, c'est pas une grande production non plus, hein. Puis c'est vrai qu'une voiturette, ça plafonne, hein. Une fois qu'il y a une petite montée, puis qu'elle va en face. Enfin, ça rend service. Ça dépanne beaucoup de personnes.
Oh, le ciel, comment qu'il est étonnant, hein. Voilà, alors là, ça va être long, hein. Il y a du monde, hein. Bon, gap doublé, là, c'est complètement ridicule pour gagner 5 places de voiture, et puis voilà, et puis pff, ça arrive en face, ça arrive de tous les côtés, de gauche, droite, du haut en bas. Bon, ça roule bien, hein, ça roule tranquille, tranquille, à bon 80, pour la distance qu'il y a à parcourir. Il n'y a pas grand monde sur l'autoroute, ça c'est sûr. Une voiture, un camion. Alors les arbres qui sont morts de la sécheresse de l'année dernière ont été coupés. Certains ont été taillés en espérant qu'ils repartent. Pourtant, c'est les arbres qui ont du vécu, hein, mais non, bah, manque d'eau, trop chaud, surtout beaucoup trop de chaleur. Et là, c'est pas fini. Ah ouais. Vous profitez de l'eau qu'il y a maintenant, et puis surtout de les températures, elles sont extraordinairement élevées pour la saison. Il devrait geler, là. Oh, pas un chat. Ceux qui prennent l'autoroute et l'autoroute tout, pour lui tout seul. Et au fait, dis donc, il y a changement d'heure au mois de le mois prochain. Est-ce que c'est la fin ou ça continue derrière? Normalement, c'est la fin. Ça devrait avancer d'une heure, je crois. Et après, c'est fini. Il ne change plus. Ah, il signale, là. Et aussi chez Citroën qui vont sortir encore un nouveau modèle électrique, très attendu. La force de Citroën, c'est le confort des voitures, le confort de cette marque, sur les Boss, Dodan, etc. Bon, bah là, ça doit rouler à la vitesse. En mode normal, hein, ça s'imite pas à la zone verte. C'est pas souvent qu'en régulateur, on démarre. Je suis régulateur, donc il va jusqu'à 110. Oui, d'accord. non, pas 110. Et bah là, c'est... Bon, il a pas dépassé la zone verte. Comme quoi, il y a de la patate. Et ça grimpe. C'est fou ce ciel, comment qu'il est. Oh, dis donc, on dirait une couverture. Ça fait un drôle d'effet. C'est pour ça qu'il fait doux.
Moi, ça roule bien. C'est beaucoup plus fluide que 80, il n'y a pas photo. Hein. On est beaucoup plus en sécurité à 90 qu'à 80. Hein. Ah bah oui. Hein. Là, l'insécurité routière, ils vont dire le contraire, bien entendu. Mais non, 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 non. Faut être objectif quand même. Non. Sur des axes comme ça, c'est impeccable. Aux États-Unis, ils ont remonté la vitesse. Hein. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'accidents en vitesse moins élevée qu'à une vitesse plus élevée. Pourquoi ? Parce que les gens sont moins concentrés, moins réactifs en cas de problème. Et c'est l'accident. Voilà, un écart à gauche parce qu'on flâne, on chouine, on machin. Ou alors on fait pas attention et boum. Bah oui. Plus on est attentif, plus on a de réflexes. Et ça va très vite. À dire ça à ceux qui veulent pas le comprendre, c'est pas la peine. Objectif en tête. Bon, c'est autre chose. Les États-Unis sont venus en arrière. Hein. Les vitesses limitées à une certaine. Ils ont augmenté les vitesses. Et tout se passe bien. Je crois que là-bas, le permis, ils l'ont à 5 ans et demi, mais je suis pas sûr. Hein. Ça fait quand même jeune. Hein. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on dit que les Américains sont des grands enfants. Ah oui, c'est compréhensible. Ah, c'est un petit peu mouillé là. Voilà, je ne vais pas tarder à arriver. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.